Le PSG a failli ne pas jamais y arriver à l'image de cette, à l'image de cette frappe de Blaise Matuidi, non cadré. Et Gaspard Anthony qui devra s'incliner à la 89e minute par le même Blaise Matuidi. 75e but de la saison pour le PSG qui s'impose un but à 0 et conserve sa première place avec 18 points d'avance sur l'ASM. L'OL pétine à domicile, défaite 3-0. Le premier but, il est inscrit par Casri à la 39e. Le suivant, un doublé en 2 minutes de Real Boudbouz au 41e, au 43e minute. Bastia s'impose 3-0 et revient à 1 point de la Ajax au 10e. L'OL est 17e avec 2 points d'avance sur le premier relégable. Le TFC titube en ce moment malgré sa victoire, un but à 0. Le TFC n'est qu'à 4 points du coup top 10. L'unique but de l'empreinte dessinée, Braithwaite, la 56e. Le TFC s'impose 1-0. Toulouse est 12e. Lorient est 7e. L'AC Ajaccio s'impose à domicile, un but à 0 grâce à l'unique but de la partie, Erika de Fati, à la 43e. L'AC Ajaccio remonte à la 10e place, les Bordelais sont 8 avec le même nombre de points, mais une meilleure différence de but. Valenciennes s'incline à domicile, 1 but à 0 et retombe sûrement vers le bas du classement. Les Valenciennes ratent l'occasion de se rapprocher du podium avec cette défaite, l'unique but de la partie, Rodelin à la 56e. Le LOSC est 9e, Valenciennes est 5e. L'OGC Nice fait match nul à domicile et piétine encore une fois. Le C Nice aurait pu s'imposer avec cette frappe de Dario Vitanic qui heurte la barre transversale. 0-0 au final, Nantes et c'est avec seulement 3, mais qu'avec seulement 3 petits points d'avance sur la zone de relégation. Nice en compte 5. Reims fait subir une 9e défaite. Une 14e défaite de suite de la saison pour l'OM. Score final 5-1. Le premier but, il est inscrit par Gaëtan Charbonnet à la 12e minute. Le suivant par Poisson Longuet à la 24e. Le suivant par Devaux à la 36e. Les 3 buts inscrits ont été multipliés par 3 fois minute. La réduction du score de Gignac à la 39e, 3-1. Reims inscrit ses 5 buts. C'est but dans la deuxième mi-temps grâce à deux frappes de Longuet pour le triplé au 42e, plutôt au 45, au 46e et au 49e minute. Reims s'impose 5-1. Enfin, pour terminer ce highlight, Rennes s'incline à domicile 1-0 grâce à un but d'Emmanuel River à la 89e. L'ASM est 2e. Le Stade Rennais est 18e. Le FC Sochaux piétine à domicile 0-0, score final. Sochaux reste 3e, Saint-Etienne est 4e. Montpellier n'y arrive toujours pas, encore un nul. Montpellier qui avait eu même l'occasion de sortir de la zone de relégation, c'est raté. Montpellier est 19e. 18 buts inscrits au terme de cette 27e journée. Le succès 1-0 à domicile du TFC face à Orléans, pareil pour Ajaccio face à Bordeaux. 3 succès à l'extérieur, celui de Monaco à Rennes, celui de Valenciennes à Lille, celui de Bastia à Lyon. Le PSG leader avec ses 74 points, suivi de Monaco, Sochaux, Saint-Etienne rate l'occasion. Tout comme Valenciennes qui pouvait revenir à 3 petites unités du podium, c'est raté. Evian est 6e. Les Bastiais sont 9e avec seulement 11 petits points d'avance à la zone de relégation, ce qui est donc insuffisant. L'OL est pire, 17e avec seulement 2 petits points d'avance. Rennes, Montpellier et Reims ferment la marche. Le programme de la 28e journée avec le PSG qui défie Bordeaux à domicile. Saint-Etienne accueille Sochaux. L'AC Ajaccio face à Guingamp. Valenciennes-Toulouse. Rennes pour le maintien face à Nantes. Lorient face à Lille, Montpellier pour sortir la zone rouge face à l'OM, Evian pour se rattraper, Reims pour confirmer, Nice pour confirmer.